Salut tout le monde, c'est Sandy 30000 et bienvenue pour ce quatrième épisode de Paper Mario Color Splash. La dernière fois, on avait récupéré la culotte de Todd. Voilà. Magnifique intro. Donc la dernière fois, on avait récupéré la... Wow, mais regardez, mais tout ça, mais mon dieu. Regardez, c'est tout un comité qui nous attend pour le début de cet épisode. En plus, ils sont délavés. C'est des mascasses délavées. Alors, on va prendre une petite carte. On va prendre, ouais, deux sauts. Allez, hop, voilà, nickel. Hop, voilà. Donc si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait été dans la ville. Comment s'appelle la ville déjà? Je ne sais plus. Comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle cette ville. Port Barbouille, oui. On a été dans Port Barbouille parce qu'en fait, il y a un Todd. Un Todd qui s'occupe des habitants pour qui les sauve, un sauveteur Todd violet qui avait besoin de ses copains. Et ses copains ils sont pas venus, donc il fallait l'aider, mais on n'a pas retrouvé ses copains, donc en fait là on est à la recherche de ses copains. Mais aussi il y a un Todd qui est tombé. Qui est tombé d'un pot de peinture géant. Et en fait là il est tombé dans les airs. Et en fait on va le sauver parce qu'on est des gentils. Voilà. Alors voilà. Ah, un petit marteau, c'est sympa. Oh purée. Et en plus il y en a toujours deux qui viennent. Depuis qu'on a reçu notre amélioration, là il y en a toujours deux qui viennent. Ah bah regardez, c'est le moment d'utiliser une fleur de feu. Tiens, regarde, on va utiliser une fleur de feu, c'est la première fois que je montre. Alors, action. Normalement c'est comme ça la fleur de feu. Ouais, ok. Très bien, merci beaucoup. Je n'ai absolument rien. Oh le... Mais regardez. Ok, j'ai pas compris comment le masque s'attaquait. Regardez, on le voit même plus. Parce qu'il est tellement. Enfin, il est tombé dans l'eau, donc on le voit plus. Ah bon, on va utiliser ça. On a même besoin de la colorier, tiens. Hop, voilà, le petit sommiteux où on n'a pas besoin de. On n'a même pas besoin de le colorier. Tac, 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 tac. Et voilà. Ouf. Nickel. En plus on a 607 pièces. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en a beaucoup quand même. Hein. J'aimerais bien monter un niveau de marteau. C'est mon objectif. Depuis le début du jeu, c'est d'avoir le maximum à mon marteau. Alors, tac. Le petit saut. Ah, mais il est là. Ah, mais oui, c'est parfait. C'est pour ça qu'il avait perdu sa culotte. Enfin, son pantalon. Tu crois que ce Todd rouge est tombé du bateau volant? Il y a trop de vent, il ne tiendra pas longtemps comme ça. Allons lui porter secours. Bah oui. Ah, c'est pour ça, parce qu'il y a. Pff, ok, je me suis pris un masque à ce qu'il volait. D'accord, très bien. Mais. Regardez Mario et tout. Genre, il bouge tellement. Alors, il bouge tellement parce qu'il y a du vent. À votre avis, ça sent... Quel objet ça sent, là? Un objet qui fait du vent, à votre avis. Oh, c'est tellement cool. Avec l'aspect du vent, vous avez vu, quand il est mort, il est parti, genre, il fait... Wouhou! Mon dieu, mais purée, laissez-moi un peu. Oh, ça suffit. Regardez ça, ce bel objet, là-bas. Vous avez vu, il est tout en 3D, lui. Contrairement aux autres objets qu'on a eu tout depuis le début du jeu. Lui, il est en 3D. Enfin, on avait vu aussi un couteau, mais le couteau, je sais pas. On avait vu un couteau, je sais pas si vous vous en rappelez. Mais enfin, je sais même pas si c'est un couteau en fait. Comme j'ai pas vos retours de commentaires, parce que c'est. Ça fait. Ben, c'est. La 3... Enfin, c'est 3 épisodes de suite que j'enchaîne. Peinturion, tu peux m'aider? Ah, regardez, oui, oui, je sais. Je sais ce qu'on va faire, regardez. What? Ben oui, attendez. Ah ben voilà, on peut passer comme ça en fait. Voilà, nickel. On va faire la technique que Peinturion nous a enseignée, à savoir le découpage. Voilà. Et en fait, là ça me fait vachement rappeler. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu, je pense que ça vous rappellera pareil. Super Paper Mario, le premier niveau, il fallait aller en 3D et monter sur une colline. Une colline, et pas une colline. Une colline. Et ça me fait super penser à ça. Est-ce que je peux vous montrer le gamepad? Et non, je peux pas tourner la télé. Enfin, je peux pas vous montrer le gamepad, je suis désolé. Mais en fait, je suis juste monté sur la colline et je suis descendu, voilà. C'est tout. Alors, on va stopper ça, là. Examiner. Alors, ça,
Alors, c'est là d'où vient le vent. Les drôles d'objets volumineux comme ça sont appelés trucs. Je te rappelle, quand je suis devenu tout plat, eh bien, ces trucs peuvent être essorés eux aussi, pour devenir tout plat. Alors, vas-y, appuie sur A pour extraire cette peinture extraordinaire, je crois, un truc comme ça. Et voilà, et donc, à votre avis, qu'est-ce que ça va devenir? Déjà, il nous donne de la peinture, donc ça, c'est plutôt cool. Et mais il devient une carte. Et voilà. Et on a obtenu un ventilateur. Et vos projets, on le vend en poupe. Oh purée, ils vont nous faire un petit jeu de mots comme ça à chaque fois. Et voilà, le pont est revenu. Et je pense que le couteau de l'autre fois, ben on va se le prendre dans cet épisode-là. Le couteau de l'autre fois, comme ça on pourra le... Parce que, en fait, je pense que le premier objet qu'on a à essorer, ça, c'est le ventilateur. Même dans Sticker Star, je crois que c'était le ventilateur. Non, le premier objet de Sticker Star à mettre en sticker, c'était soit c'était un ciseau, je crois. Ouais, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà. Bon, alors, tac. Oh, une fleur de glace. C'est très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le truc pour... c'était là d'où je suis arrivé. Très bien. Alors, une box. Dans cette box, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, tac. Oh, ben regardez. Un marteau Valdango. Voilà. Donc ça c'est un nouveau marteau, je pense pas qu'il y était dans Sticker Star. Non, je pense pas. Non, c'est un nouveau. Alors, le petit Todd là. Tac. Ok, il est tombé. Nickel. Oh mon dieu, je suis tout nu. Mario, merci pour le coup de main. Enfin, le coup de marteau. Tu m'excuseras si je ne prends pas dans tes bras car je suis pas très présentable, j'en ai peur. Sol Todd qui est tombé du bateau volant, pas vrai? Content de voir que tu t'en es sorti indemne, mais c'est pas le cas pour tes vêtements, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est simple. J'ai voulu donner une bonne leçon à ces brigands, alors j'ai sauté dans leur bateau volant. Mais voilà, cet engin est plus rapide qu'il en a l'air. J'ai perdu l'équilibre et je suis passé par-dessus bord. J'ai réussi à m'accrocher au seau, mais j'ai finalement lâché prise. Alors quoi qu'il en soit, ces pilleurs à paille n'ont pas fini d'entendre parler de moi. Vous pouvez me croire. Car je suis celui qui apporte la justice dans un monde de ténèbres. Je suis... Ah, mais le Todd justicier, ben voilà, ben c'est un des potes du Todd violet. Il a une araignée dans le pot, celui-là, ou quoi. Même toi, Mario, tu en serais incapable de sortir une réplique comme ça, tout en gardant ton sérieux. Ah, je suis un peu plus sérieux, mes créants. Je suis le héros de l'île Barbouille. Je suis le héros de l'île... Je suis le héros que l'île Barbouille attendait. Mais bon, avant de rétablir la justice, je dois commencer par me conformer aux lois en vigueur. Le naturisme est plutôt pas mal vu en Barbouille. Pourriez-vous me chercher mes vêtements et me les ramener s'il vous plaît? Mais t'inquiète, eh bien, il a fait allure notre justice, il a dû se cogner la tête en tombant. Peu importe, nous allons pas l'abandonner comme ça. Imagine s'il avait attrapé un rhume. Qui irait sauver le monstre? Ouh, j'ai du mal. Ok, on s'en charge. Est-ce que... Attendez, si... Ah, je peux... Ah, mince. Mais vous inquiétez pas, je t'ai rattrapé, je t'ai donné les chaussures. Mes bottes à maxi-gravité Sonic, avec ces merveilles, je peux marcher comme si la gravité me manquait au sol. Ok, j'ai pas compris. C'est l'effet habituel de la gravité, tu sais. Enfin, de la gravité quand on est en papier. Et le pantalon de Todd. Tremblez, vilain, voici le pantalon de la gloire éternelle. Avec ça, mon héroïque derrière est en sécurité. Ça ressemble à un pantalon ordinaire, si tu veux, mon avis. Ben c'est bon. Non? Bien, le Todd justicier commence à reprendre confiance, mais il n'est pas encore prêt à sortir au grand jour. D'accord, donc il lui manque encore un habit. Donc, on va y aller. Le petit Todd, il a besoin d'un habit. Ça doit être son t-shirt, je pense. Un truc comme ça. Alors, hop. Alors. Non, il n'y a rien ici. Oh! Allez, venez les gars. Voilà. Est-ce que l'autre masque à se délaver veut venir? Ouais, il est là. Alors peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas lui, je ne sais pas. Alors qu'est-ce que c'est ça? Marteau Valdango. Frappe un ennemi d'un coup de marteau. Si vous êtes habile, propulse l'ennemi hors de l'écran, heurtant un autre ennemi au passage. Ah ben nickel, on va prendre ça alors. Et si je le rate, ben je prends un petit marteau. Très bien. Alors, c'est parti. On envoie. Alors, le marteau Valdango, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Yop. Oh, le su... Oh, nickel, il est super cool ce marteau. Bah dis donc. Alors si j'en retrouve... ah bah non, vous voyez, il est pas venu avec son pote. Alors,
Oh, regardez, ça faisait une forme de masquasse en dessous, j'ai pas vu. Enfin, le comment ça s'appelle? Un masquasse bleu. Alors, j'ai eu un truc masquasse, donc on va l'utiliser. Enfin, une carte masquasse, donc on va l'utiliser. Alors, hop. Qu'est-ce qu'il fait, le masquasse? Action. Vas-y, masquasse, viens, come on. Démonte-le. Tu démontes pas l'autre? D'accord, très bien. Alors, hop. Il est glacé? Oh non. Oh, le pauvre. Ah d'accord, donc il prend les dégâts à ma place. Ah, oh, c'est sympa ça, dis donc. Ah, il était très gentil, ce masquasse. Il s'est tué pour moi. Alors, action. Vas-y, on va le démonter avec notre petit marteau. Voilà. Nickel, bonus parfait. Voilà. Ah, le bonus par... Ah, voilà, donc vous voyez, ici, ça fait une forme de masquasse. Hop, voilà. On va repeindre tout ça. C'est pas très bien de faire ça. Je sais que... Vous êtes un peu narcissique, les masquasses. Hein. Mettez votre visage comme ça en... C'est le gong des masquasses. Wow! Il nous a donné plein de choses, lui. Bah, dis donc. Il a été gentil, hein. Alors. Ah, mais c'est les chaussures. C'est leur... C'est quoi, ça? Mais oui, c'est le truc qui lui manquait. Mais si. Oui, c'est ses petites chaussures. Enfin, c'est son pantalon, plutôt. Bon, toi tu meurs, voilà. Bon, je sais pas si je l'ai touché en fait. Oh là là, mon dieu. Mais voilà, voilà, ils sont sympas, regardez. Ils nous ont mis un triple marteau, deux triples marteaux miteux. Donc on va s'en servir. Hein. Bien. Bien. Et bien, et super même. Et bonus parfait. Voilà. Bon, je sais. Par contre, je ne sais pas comment on va prendre. Marteau miteux, voilà. J'ai regagné mon marteau miteux. x3. Je sais pas comment on va aller récupérer sa bottine, lui. Ah, bah oui, comme ça. Très bien. Alors, les champignons, je m'en suis jamais servi. Je sais même pas à quoi ça sert. Enfin, ça sert à redonner les vies, bien sûr. Mais je m'en suis jamais servi. Alors. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? Allez, on va envoyer ça. Très bien. Un petit saut. C'est bien, un petit saut. En plus, il n'est pas accompagné d'autres masquasses, donc c'est très bien. Tac, et tac, et boum. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais quand on tue l'ennemi, à chaque fois que vous retombez dessus ou vous refaites un coup de marteau dessus, ben genre, vous gagnez des pièces. Et ça, c'est sympa. Et voilà. Et l'eau va retomber, normalement. Et donc, du coup, ça va nous mettre quoi? Enfin, ça va faire quoi? L'eau est bizarre, hein, quand même, dans le monde de Paper Mario. On dirait un espèce de ruban qui s'agite. Alors, je pense qu'il faudra remettre de l'eau quelque part. On peut pas y aller, là. C'est normal. Alors. Comment je peux faire? La roue. Non, je peux pas l'utiliser. Je peux pas la. Ah, mais comme ça, oui, je suis bête. Hop. Eh, tu veux pas faire ça? Voilà, très bien. Alors. Ah, bah oui, si, comme ça, nickel. Bah oui. C'est nickel. Ah, bah voilà, ça, on va le prendre. Tirer. Ah, bah voilà, regardez. Il a. C'est quoi ça? C'est son t-shirt. Veste de Toad. Sa veste. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça a l'air d'être une petite étoile de couleur. Sympa. Voilà. Alors, tac, tac. Nickel. En fait, je pense que la quête du Toad est optionnelle. Enfin, elle n'est pas optionnelle parce que ça nous permettra de... Bah, je sais pas, s'il y a un de ses compagnons qui a besoin d'aide, qui soit là, mais... je pense qu'elle est, optionnelle dans le sens où on n'a pas besoin de... On peut avoir l'étoile de couleur sans l'utiliser. Oh, une petite étoile de couleur bleue ici. Si je m'attendais à ça. Manque de peau, elle a l'air hors de portée. On saute. Je sais pas comment on fait. Ah, attendez. Cette petite étoile bleue est hors d'atteinte. Non. Non, ben non. Je pensais qu'on pouvait mettre un coup de ciseau. Quelque chose comme ça, mais non.
Bon, là il y a rien, là il y a rien. Allez, on reprend le petit passage. Sympa. Enfin, je savais pas que l'eau en papier ça faisait des reflets, mais finalement, si, je me trompe, je me trompais. Alors. Oh, bah je me suis pris. Il a eu l'initiative. Oh mince, bah je me suis repris le. Le comment ça s'appelle bah, je me suis repris le. Je me suis pris la. L'attaque de... du Koopa. Alors, très bien. Ici, tac. Hop. Si tu m'écrases, je me planque. Si tu m'écrases, je me planque. D'accord, très bien. Mais voilà, on va faire ça, regardez. Alors, normalement. Le premier coup. Voilà, il se met dans sa carapace et là, on le démonte. Et voilà. Ouah, oh bah ok, je me suis repris le coup, mais je sais même pas pourquoi. Pourquoi je me suis pris un coup? Pourquoi je me suis pris un coup? Ça c'est... C'est... Je ne sais pas. Alors. Ah, il me manquait de la peinture rouge. Et voilà, il y a un petit truc rouge là. Mais attendez, comment je peux avoir l'étoile? Là, je la vois qui brille, hein. Mais... Regardez, on la voit, non? Mais ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, on va sauver le Toad justicier, là. Hop. Alors, on a récupéré sa veste. Je pense que c'est tout, là. Ben, un Toad, il porte quoi? Il porte des... Ah, peut-être un t-shirt? Ah, je ne sais pas. Bon, on verra. Alors. La veste Toad. Merveilleux, vous avez trouvé le super gilet phénoménal. C'est un plastron en alliage ultra résistant. C'est un gilet quoi. Et voilà, c'est bon. Le Toad Justicier a retrouvé son super costume, mais j'ai l'impression qu'il manquait encore quelque chose. Oh là là, t'es relou. Et c'est pas ici Non. Ah, quoique, bah si. Qu'est-ce que tu fais? Viens là. Voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu derrière la roue. Voilà. Il est pas tout seul. Il est pas tout seul. Non, il est tout seul. Alors. Hop, bon, on va prendre un sommet. Bah, vous savez quoi, j'ai même pas besoin de le colorer. Parce que. Mais en fait. Il va tomber. Enfin, il va s'en aller. La carapace va s'en aller toute seule. Voilà, vous voyez, elle est tombée. Et voilà. C'est sympa ça quand on a que des un Koopa tout seul. What? Il y a un truc. Je vois rien du tout parce que il est tombé. What? Ok, j'ai cassé le truc. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Très bien. Ok, je croyais que c'était un de ses habits à Toad. Finalement, non. Attendez. C'est quoi ça? Très bien. Là, on a. Une planche de bois à colorer. Très bien, il y a un truc. Ici. Il y a quelque chose, non? Ah, mais pousse... Ah, pousse-toi! Je vois rien. Cette caméra, elle est horrible. Hein. Vas-y, tourne. Là, il y a quoi? Ah non, en fait, c'est rien du tout. C'est juste le pilier de bois. Ok, très bien. Merci beaucoup. Allez, tourne, vite. J'aime pas attendre, voilà. Ok. C'est quoi ça? Ah, l'étoile. Regarde, une petite étoile rouge. Waouh, il y a même deux petites étoiles de couleur au lac cerise. Bah oui, parce que je l'ai vu dans la sur la carte. Donc oui. Alors. Je pense que j'aurais jamais... Je n'ai... Ok, non, ça... j'ai jamais loupé un ennemi. C'est vrai en plus, hein. Je vois, j'ai pas souvenir d'avoir loupé un ennemi du jeu. Du jeu entier. Non, pour l'instant, j'ai loupé aucun ennemi. Mais c'est très bien. C'est très bien. Alors. Ah, super. Mais excellent, je sais pas comment on le fait. Je n'ai jamais réussi à faire un excellent. Alors, je suis sûr que c'est possible, hein. Parce que excellent en marteau, oui, ça existe. Les excellents au marteau. Ça existe, mais alors là, comment les faire? Ah, je sais comment on va faire. Regardez, alors, on va faire. Regardez, j'ai compris. Alors, vas-y, fais ton truc. Voilà.
Mais elle est parfaite la ligne là. Mais vas-y. Mais purée. Attendez. Là il y a un problème. Un problème quelque part. Eh vite, 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 vite. Pas très bonne cette idée de d'attendre. On va faire comme ça alors. Voilà. Je me disais bien aussi. En fait, il faut avoir une vue d'ensemble, il faut pas être à côté. Voilà, on prend le ciseau et on coupe tout ça. Nickel. C'est super. Et voilà, on attrape le drapeau et c'est fini. Nickel. Et voilà. Et maintenant, on peut attraper la petite truc. Enfin, la petite étoile de couleur. Et on va le faire. Mais parce que, par contre, comment ça s'appelle, le truc de Todd, je n'ai pas réussi à la trouver. Les habits de Todd, alors là, je sais pas où il est le dernier. Alors, je pense que je vais bien le trouver au bout d'un moment, mais je sais pas. Alors, ici, encore un truc. Alors, où va-t-on nous mener? Sauvegarde n'était même pas la console. Très bien. Lac cerise, tour cramoisi. Oula, ça sent le boss. Regardez, il y a une étoile bizarre. Enfin, l'étoile elle est bizarre. Lac cerise, 93%, 96%, 67%. Très bien. Mais non, on va pas faire ça tout de suite. Je pense qu'en fait, si vous voulez, on a dû louper un de ses habits. Parce que je ne sais pas. C'est quand même bizarre hein, de chercher une quête sur deux étapes différentes. On a dû louper quelque chose. Que j'ai peut-être pas vu. Voilà, alors. J'ai pas envie de les battre, donc on va essayer. Oh purée, laissez-moi tranquille. Foutez-moi la paix. Je me fais agresser par tout le monde. Oh là là, en plus il y en a un là-bas. Allez. Vous savez quoi, on va faire un marteau normal. Voilà. Allez, tac. Voilà, peinture terminée. On envoie. Allez, attention, on va faire un super. Comme ça, on va attaquer l'autre. Mais purée, le bien, quoi. Oula. Oh, j'ai fait la garde. Très bien. Par contre, les PV, on en a grave, hein. 50 PV. Je crois que de tous les Paper Mario que j'ai fait... Ah, quoique, non, c'est faux. C'est faux. Non, Paper Mario, Super Paper Mario, j'avais les 100, je crois, les 100 PV. Mais, alors... Mince, mais je suis bête ou quoi? Pourquoi j'ai eu... Bah, je suis bête, allez. Oh, purée, d'accord. Ok, je suis vraiment bête. Ben, vous savez quoi? On va utiliser un champignon. Et on va utiliser une fleur de glace. Très bien. Alors, le champignon, je sais pas comment on l'utilise. Hein. Le champignon, comment on fait? 40 PV, d'accord. Il nous en donne juste 40. Mais purée, mais à chaque fois, je veux utiliser... Ouais, j'ai fait une garde. J'ai bien fait. Je vois, je veux utiliser bien ma fleur de glace, mais finalement, elle est... Enfin, j'y arrive pas. Donc, à quoi ça sert? Alors. Voilà. 756. Mais 756 pièces! Mais c'est énorme, 756 pièces. Et eh ben voilà, regardez, on a encore augmenté notre marteau. Et maintenant, il est à 200, je pense. Ouais, 200. Nickel. En plus, j'ai cru que j'avais eu un bloc invisible. Allez, bon, alors on fait ça. Allez, hop. Allez, vite, vite, vite. Vite. Voilà. Je veux pas que le coup... Oh, non. Et c'est moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Bon, mais c'est bizarre, hein. Je suis sûr que j'ai loupé quelque chose. Bah, après, si j'ai loupé quelque chose, bah, je l'aurais vu quand même, hein. Et s'il faut, dans les commentaires, vous allez me dire, ouais, t'es bête ou quoi? Moi, je l'ai vu. Eh ben, moi, j'ai pas vu. Voilà, très bien. Et ça, cette idée d'empiler les ennemis papier, ça a été apparu dans Seeker Star encore. Quoique j'ai un doute.
Non, Super Paper Mario, il n'y avait pas des ennemis en pile. Non, Sticker Star, c'est bien ça. Alors. Ou quoique. Ah, peut-être c'est dans Paper Mario et Luigi Paper Jam Bros. C'est possible. Mais je le compte pas vraiment comme Paper Mario. Bah alors, ça serait lui. Oula, oula, et calmez-vous les gens, hein. Ça va, hein. Attendez, où j'ai pu bien le louper? À mon avis, ça doit être là. J'ai pas dû bien voir tout. J'ai pas du tout bien voir. Ah, ça, c'est pas ça, là? Non. Non. Désolé, c'est pas ça. Ouais, bah, journal du juste d'injustifié. Ah, mais c'est ça! Voilà! D'accord. En plus, il est toujours beau gosse. D'accord. Voilà, il était là, je me disais. Tremblez, vilain! Il va prendre les choses en main. Très bien. Et il garde le son livre. Ah, justement, un vilain qui s'approche. Voyons si tu es assez fort pour résister au missile en carton de la justice. Pff, okay. Coup de livre. Je suis sûr que si ça aurait été avec un dictionnaire, t'aurais eu plus mal, Mario. En même temps... Allez, j'ai mis un marteau Valdingo, il avait pas à me faire ça. Pouh. Mince. Je suis allé un peu impressionnant, mais tu n'as pas encore. Goûte un peu à flèche héroïque conforme aux normes. D'accord, mais c'est toujours le même coup que tu fais, hein, mon petit. Hein. Ça sert à rien. Non, mais. Ah, à chaque fois, je me trompe de bouton sur le gamepad. Voilà. Et on envoie. Bon, bah, toi, t'es mort. Toi, t'es mort, tu m'as fait faire un aller-retour. Tu vas mourir, voilà. Badabadabam, pom. Tu meurs. Voilà. Ah, pourquoi lui, le papier, il est revenu en... Il est revenu en couleur. Alors que... Bah, je l'ai bien démonté, le papier, non? Attendez, peut-être que... Ah, ça m'évite de faire un... Ouais, attendez. J'avais oublié quelque chose. S'il faut, c'était un marteau Valdingo. Si c'est un marteau Valdingo, j'ai... Pouah, marteau, machin. J'ai bien fait. Par contre, toi, là... Je suis pas trop d'accord avec ce que tu viens de faire. Donc, tu vas mourir. Regardez, j'ai même pas... Regardez, hein. Je fais rien. Ouf, voilà, il est dégagé, il est mort. Allez, yes. Bonus parfait. Meurs. Nickel. Enfin. Il n'y a pas d'autres... Non, il n'y a pas d'autres items. Il n'y a pas d'autres items. On va y arriver. Et normalement, on aura sauvé le petit Toad. Et c'est parfait parce que ça finira la vidéo ici. On finira la vidéo ici. Très bien, tiens. Journal d'un justicier. Ah, mon final carnet. Je gribouille juste des trucs dedans. Il ne faut pas faire attention. T'as aidé un Mascas à me faire 10 points de dégâts quand même. Et voilà, admirez un peu mon super costume de justicier. Et maintenant, faites place, citoyen. Le Toad justicier est de retour pour écraser les vilains. Les vilains. Et sauver l'île Barbouille. Toad justicier. Franchement, je sais plus où me mettre. N'hésite pas à faire appel à moi si vous êtes en difficulté. Aucun lieu n'est trop éloigné pour le bras de la justice. Il a l'air super heureux. Ben, je suis content pour lui. Eh bien, justement, nous aurions besoin de ton aide. Il y a une petite étoile bleue pour... Ah, ben nickel! Bleu, pas loin d'ici, et hors de notre portée. Peut-être qu'avec tes super pouvoirs... Comment? C'est une situation d'une gravité sans précédent. Ça m'a tout l'air d'un travail pour... Toad, juste ici, en avant. Est-ce que... Attendez. Si il nous fait un plongeoir... Bah, attendez. L'étoile bleue, elle était où? Elle était là-bas, je crois. Ben, j'ai bien fait, en fait, de refaire un retour, un aller-retour. Très bien. J'ai bien fait, regardez, on va avoir l'étoile bleue et on aura fini ça à 100%. Enfin, à 100%. Vous m'aurez compris. Alors, tac, tac, tac. Ah, il est en haut. Ah, j'aurais pu avoir le truc là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Vous avez besoin de l'aide pour attraper cette petite étoile de couleur, n'est-ce pas? Elle semble en effet hors de portée, du premier vu. Mais le Toad justicier n'est pas le premier venu. Bon, on aurait peut-être pas dû te déranger pour ça, au fond, je doute que... Attention, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Attention, super justice! Bon, au moins, on aura essayé. Allez, à plus, le justicier en carton. What?
What the fuck? What? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il fait trop peur le Toad comme ça. Mon dieu. Quoi? Mais il est complètement dingue. Tu as réussi à déplacer l'étoile de couleur? Waouh, j'ai réussi. Jamais j'aurais cru que j'avais de tels pouvoirs. Mais alors, je suis vraiment un super-héros comme dans mes rêves les plus fous. Pas croyable, et cette antenne bionique sur sa tête, c'est carrément classe. Je dois admettre que je te prenais pour un fou. Pas un fou, non, un super fou. Merci de m'avoir aidé à découvrir mes super pouvoirs. Je fais le serment de les utiliser pour faire régner la justice dans tout le pays. Je vais commencer par rester ici et attendre qu'on m'appelle à l'aide. Et voilà. Et ben nickel. Et purée, je m'attendais pas du tout à avoir un Toad comme ça. Je pensais que les Toads, ben, ils servent à rien finalement. Non, ils peuvent débloquer, ils peuvent avoir des super pouvoirs et tout. C'est la classe. Je suis super content pour lui. Il a des super pouvoirs et tout. Bon, par contre, il faudrait qu'il nous aide. Ah. D'accord, et ça fait débloquer ça. D'accord, mais c'est une autre région. Très bien. D'accord. Sauvegarde. Et on a le petit Toad justicier là-bas. Et le lac cerise est complété à 95%. Bon, et bien les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode de Paper Mario Color Splash. Regardez cette carte magnifique. Voilà, elle est super jolie. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. Et pour soutenir ce Toad justicier de la muerte. Voilà. Bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.